en mode gros bourrin, rien à foutre. Ça touche presque personne. Putain, putain, il va pas droit. Bon bah voilà. Respawn facile. Mais on a réussi cette mission. Ouais, il me semble que je suis vraiment, mais alors vraiment très peu résistant. Alors balle, en fait, bon, je pense que c'est normal parce que je sors d'une partie quand même où j'ai tout au max, donc ça fait une différence. Alors ce qu'on va faire, je pense qu'on va prendre le pylône là-bas. Je vais regarder à combien de temps on est d'épisode et suivant combien de temps ça fera. J'arrêterai. Alors vous là-bas, vous ne faites même pas chier. Ah, j'en ai plus là. Ah si, ça a juste bugué. Ah ouais, tiens, tu veux te chauffer plus? Vous aussi, hein, ça vaut pour tout le monde. Voilà. J'ai eu le bordel partout. Il y a une voiture ici. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me suit. Hein. Il est mort. J'ai mis un beau bordel. C'est par là. Très maniable cette voiture. Alors on passe par les armes. Allez Willis. Oui oui, je le prends. D'abord. D'abord, j'ai plus même... En fait là j'ai plus de balles dans rien. Si, dans le lance-roquette. Mais bon, c'est pas très... Hop. C'est mon arme de poing en fait, le lance-roquette. Je l'ai comme ça, je le tiens, je suis toujours en joue. Ah, d'ailleurs ça me fait penser à un truc, faudrait que je teste quand je serai en... Yes, medikit. J'ai la flemme d'en acheter les medikits en fait. C'est juste ça. Ah merde, c'est là-bas. C'était dans mon dos, je l'ai même pas vu. Bon, en même temps, c'est plausible hein, si c'était dans mon dos. Allez. Non. Sans déconner les mecs. Sans déconner. Tu m'expliques ? Allez. Une, deux, what? Ah d'accord. Une, deux, what? C'est parti. Bon, parlez à Willis. Oui, mais je fais toujours la même chose, moi. C'est rien à foutre. Ouh, voilà. Tac. Et tac. Non, je vais pas tirer dedans. Du moins pas encore. Ils ont fait toujours le même système hein, quand même dans chaque tour. Ils auraient pu être un peu avant. Je vais tester. D'accord, explose en l'air. Ouais, c'est juste ça que je voulais voir en fait. J'ai gagné le lance-grenade. C'est une des seules armes que j'ai jamais utilisées dans le jeu. Dans toutes mes parties.
faire cette mission. Comme ça, j'aurai trois missions de ce type. Et du coup, je vais pouvoir. Après, il faudra que j'achète 3 gilets pare-balles. De Dieu! Waouh! Ils sont malades! D'habitude, je dis que je peux pas le faire et tout. Ça, je vais du bon côté parce que c'était pas vraiment indiqué. Quoique du coup c'est assez stylé quand même qu'il n'y ait pas trop de HUD qui me disent où faut aller. C'est un peu plus naturel, bien qu'il y ait quand même un chrono et des consignes paraissent évidentes, mais ça indique quand même. Allez, garde le cap. Tiens, je l'ai raté. Je crois qu'il va crever là. Pas juste. Bah oui, j'aurais essayé. Non, mais c'est pas juste, mec. Je suis quand même sûr. Vous n'avez pas réussi. Moi, je suis surtout mort. C'est dégueulasse. Putain, je fais un sauvetage médical. Il me tire dessus. C'est pas très. Voilà. Fallait quoi qu'il soit en blanc, mon quad. Je veux dire, ouais, c'est bon. On a les casques bleus. Allez. Cette fois, je vais à fond. Je me pose pas la question. Je connais le chemin. Enfin, je vais poser. Putain, je vais quand même me poser un tout petit peu la question. Je coupe, ça passe. C'est quand on va passer un peu plus à droite pour éviter de se rameuter la les guignols là-bas. Voilà, bien. Bien petit, bien. Bien. Hop. Ouais, sans souci. Putain, c'est pas évident. Non. Ah oh non, cale pas. Allez. Aïe. C'est pas super maniable. Hein. Oh bah ça va, c'est tranquille. C'est là que je me rate, je me retourne. Et je... Ah bah d'accord. Quoi? Je vais sauver quelqu'un, je crois que j'ai chopé. N'importe quoi, putain les mecs. Oh putain. J'ai tué la moitié. Putain les mecs. Je les ai même pas vus, j'ai pas pu m'arrêter. Ah bah tiens, c'est pratique ça. Je vais pas me donner. Non, d'accord. Bon bah merde hein. C'est bien fait n'empêche ça. Je me suis jamais servi de ça non plus. Et ça non plus. Alors. Je vais faire quoi moi? On va peut-être se TP là où on doit aller. À moins qu'on a. Non, c'est bon. J'arrête de prendre des. Aujourd'hui, c'est bon. On va faire que des trucs simples. J'ai arrêté de prendre des risques inutiles avec un Z. Ah oui, j'ai dit que j'allais regarder le temps de. Bah je vais m'acheter un gilet pare-balles d'abord. J'avais dit que je regardais le temps de vidéo. Putain, vous êtes tous bourrés les mecs. Vous voulez acheter quoi? C'est tous faux. Au revoir. Et faux. Et complètement faux. Comme la dame. Elle est partout. Arme spéciale, ouais, consommable. Ah ouais. Gilet pare-boules. Et c'est le crash. Et oui, bah ça arrive. Hein. C'est le crash. Du coup, je sais pas où on se retrouve. Hein. Voilà, ça aura pas été la bonne journée. Mais c'est pas grave, je suis content de vous avoir fait un épisode quand même. Shop. Il n'y a pas de shop. Ok, d'accord. Il n'y a pas de shop. Ça va chier. Ah, tu vois cette table là. Tac. Et là. Voilà. Fuck the palace. Il n'y a plus la table. Tu comprends? Il n'y a plus la table. C'est pas vrai. Il est pas fou. Cool.
Il est pas fou. Il est pas fou, il est pas fou. Il est pas fou, il est pas fou, il est pas fou. Est-ce qu'il colle ce truc? Pas sûr qu'il colle, tu vois. Il colle pas. Donc, qu'est-ce que je faisais? Ah oui, j'achetais des trucs. Oui, parce que c'est vrai que... Je sais pas, je vais retester, mais... C'est quand j'ai acheté le gilet, en fait, que j'ai craché. Donc, je vais retester, voir si ça refait la même chose, mais... Oula. Bon, bordel, merde. Donc, voilà. Vous voulez acheter. Si ça recrache, c'est normal. Hein. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, consommable. Ça va, ça n'a pas craché. Oui, enfin, quand même, hein. Fais gaffe, mamie. Hein. Je troll sur les gens. Je crois qu'on va pas refaire tout de suite du truc principal, étant donné que... qu'on en a fait quand même... pas mal aujourd'hui. Je vais prendre ce pylône radio et on se laissera là, je pense. Je vais rusher les pylônes radio en premier hein, parce que ça me permet de voir la map. Ensuite on fera tous les avant-postes et ça ira très bien, je pense. Peut-être du prendre un véhicule, c'est pas con ça, c'est pas con. En général, surtout comme ils ont des petits scooters là. Par contre, je suis un peu déçu au niveau des véhicules. Il n'y en a pas plus qu'une vingtaine en tout, hein, si je me rappelle bien. Il doit y en avoir qu'une vingtaine. C'est un peu too much, je trouve. Pour un jeu open world, je sais pas. Je trouve que ça fait un peu petit. Ah, putain de merde. Gardons notre calme et occupons-nous des problèmes un par un. Et il peut encore pleuvoir. La saison est pas finie. Ouais. Alors, c'est quoi le plan? Bon, c'est vrai que c'est assez beau. Un scooter, j'ai dit des gens. Des mères, j'entends. Parce que j'ai pas envie d'aller missionner maintenant. Cool. On va pas faire comme dans Skyrim, hein. Je sais pas si ça fait comme dans Skyrim d'ailleurs. Je sais pas si vous savez, mais. Dans Skyrim, vous tuez une poule, elle appartient au village, donc vous faites mettre une prime sur la gueule et du coup c'est la dèche. Oh mais j'ai pas racheté d'armes, je suis complètement con. Bon, c'est pas grave, de toute façon je vais clore l'épisode. Au prochain, on se retrouvera avec du tout de stuff. J'espère. Normalement. On va y arriver hein, t'es sûr. Sans déconner. Je sais, c'est pas une voiture faite pour le cross. J'en suis conscient. Pour la plongée sous-marine. Mais quand même, faut pas abuser. Hein. Je crois trop en les possibilités de la voiture. Donc on va y aller en mode random guerrier. Hop, à la mine. C'est quoi ça? Oui. Mais non. Ah si, je me rappelle, je vais utiliser la mine pour à peu près la fin du jeu, je me rappelle. À un moment, vous êtes harcelé, donc poser des mines par terre, c'est une solution. Un peu d'exploration. Ce bruit, c'est un dingo. Ça fait un peu crise d'épilepsie, mais on va y aller dans ce truc pour ramasser une petite relique.
C'est en parlant des reliques que je me demandais si j'allais tout faire, parce que... On a quand même pas mal. Hein. Ah mais... Je précise qu'il n'y a pas de touche pour la lumière, donc j'aimerais bien qu'on la remette. Attendez. Ça. Bon bah tant pis, on va faire comme ça. Hein. Allez, c'est beau, ça marche pas vraiment. Attendez, je suis arrivé sur mon téléphone. Je sais plus d'où je viens, mais je crois qu'il faut aller par là. J'assume que c'est la bonne construction. Je me voyais là. Ah, c'est... Oh. Mec, t'es peut-être joli comme serpent, mais tu te fais pas envie. Bon, ce quest, c'est même pas la peine qu'on en parle au niveau du 100% parce que on est juste partout. Comment on ressort? Oh, encore un point de gagné. Je vais l'attribuer, on va voir ce que c'est. Pour stabiliser la réticule deux fois plus longtemps. Ça, ouais, je veux. Ok, qu'est-ce que c'est ça? Pour recharger rapidement n'importe quel pistolet ou fusil sniper en faisant... visant. Bon, ça oui et non. Je sais pas si j'aime ça beaucoup. Ces éliminations, elles sont vachement dures à placer. Ah, mais c'est pour ça que je meurs, parce que ça va enregistrer les trucs que j'avais fait. Voilà, et ça, il faut que je porte plus de... Voilà, un peu... Et ça aussi, d'accord, ça avait pas enregistré quand j'ai eu mon bug la dernière fois. Et du coup, j'ai rien qui va bien. Pilotage fluide, ça peut être une idée ça. Mais on va quand même... ça... Ouais, ça je le prends. Voilà, je vais en garder deux. Vous savez quoi, ça descend, ça monte là, je viens de... Ok, c'est la nuit. Bon bah dommage. Alors le pylône il est pas loin, 500 mètres quand même. Je suis armé, donc si jamais quelques bestioles qui y est, je m'en sors. Regardez la Dark Moon. Je vais le mettre en plein écran. Parce que à force de sortir et tout. Chaque fois je sors du plein écran. Dans le viseur. C'est joli là. Allez, on continue. Oh, vous êtes des alliés ou sinon qu'est-ce que les couilles. Ouais. Prochain épisode, je pense qu'on ira chasser du requin. Comme ça, on aura l'amélioration des... du quatrième monster d'art. Du poulet grillé, les mecs. Oh. Moi aussi je vais brûler là. Bon, tu me diras, j'ai un gilet pare-balles, faut que je l'utilise pour en acheter un autre, donc je vais essayer de me faire tirer dessus un peu des fois, et dès qu'il sera pété, j'arrêterai des conneries. Bon, je chasse lance-roquette, moi. Je suis un guerrier moderne, là. C'est comme une lance, sauf que c'est propulsé et que ça fait une explosion. Non ?
Vous êtes pas d'accord? C'est calme. C'est agréable hein, quand même. Bon là-dessous je crois qu'il y a des reliques à prendre. Au fait on est où fait au niveau des reliques? Manuel. Relique, ah j'en ai qu'à ramasser que 4. J'ai un sac. Donc des armes signatures, il y en a un au bout des trucs radio, un au bout des avant-postes, les LED disparues et c'est tout je crois. Vous voyez, non, il n'y a que 12 véhicules conduits, c'est quand même trop peu je trouve. Donc carte mémoire aussi. Je pense que celle qu'on va essayer de rusher en premier, c'est celle-ci là, parce qu'elle est accessible. Ensuite celle-là, puis celle-ci, parce qu'elle est assez facile. Dès qu'on a débloqué toute la map, on arrive assez facilement. Oh merde. Et où c'est encore? Ah d'accord, j'ai cru que c'était un... j'ai cru que c'était un tigre, et puis là il vient de bugler, je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. C'est un animal ça. Est-ce qu'on voit le pylône? Ça y est, on y est. Là, c'est là-dessus je pense. Alors je vais me faire taper un peu. Coucou, c'est moi. Salut à tous, c'est Coucou, c'est moi. Pour une fois que je veux qu'il me repère. Il est à découvert. Ok, alors encore. Voilà. Oh là, je vais mourir. Et si je meurs, je rigole. Merde, c'est qui toi? Ceci était bien sûr prévu. Maintenant, je m'échappe. Je monte. Putain mais combien j'en ai des trucs de lance-roquettes? Je sais pas que je tombe par contre. Hein. C'était un peu limite. Si j'arrive jusqu'en haut, je pense que j'arrête de viser. C'est le parcours du combattant. Du combattant. On va rester concentré parce que c'est très casse-gueule quand t'es ces choses-là. C'est par là. Oh. Je le fais pas souvent en étant poursuivi. Ils sont où? Oh, d'accord, il m'avait perdu en fait, il tirait dans le vide depuis tout à l'heure. Ok, on y arrive. Que là ça brûle. Et pour clore cet épisode, je vous dis salut à tous les amis. C'était un animal.